Un colloque s'est tenu mardi et mercredi à l'école de formation agronomique de Hausseville pour sensibiliser les agriculteurs sur l'usage des pesticides et les inciter à réduire leur emploi. Des études ont notamment révélé des cas de cancer du cerveau et de leucémie chez les enfants d'agriculteurs. Il apparaît que c'est parce que les parents ont été exposés pendant la période prénatale à ces pesticides, dans leur utilisation professionnelle, que les cancers ensuite arrivent chez l'enfant. Les produits traités finissent dans nos assiettes, les consommateurs sont donc concernés par cette pollution chimique. Le consommateur est exposé essentiellement aux pesticides via l'alimentation et donc il est exposé à un mélange de pesticides à faible dose et à long terme. Des études sont en cours pour connaître l'impact d'une exposition, même infime, des pesticides sur notre organisme.